Et la mort ne fait pas exception. La mort elle-même doit rendre l'âme lorsque paraît le prince de la vie. Le Seigneur est ce qu'il a affirmé être. Il est la source de la vie, il est l'origine de la vie, il est celui à qui tout remonte, il est Dieu. Jésus, c'est celui qui trois fois, dans un court laps de temps, a répété le miracle qu'il avait fait au début de la création, lorsqu'il prit de la poussière du sol les éléments constituants du corps humain. Il avait alors devant lui une enveloppe inanimée, et dans cette enveloppe, il souffla un esprit vivant. Le miracle s'est fait et l'homme se mit à vivre. Eh bien, 40 siècles plus tard, le Seigneur se retrouve devant 3 cas semblables et il refait le même miracle. Jésus-Christ est vraiment Dieu. En premier lieu, il est bon de remarquer que lorsque le Seigneur a ressuscité ces 3 personnes, il n'y a pas seulement eu vie, mais il y a eu signe de vie, d'après le titre de ce soir. Le jeune homme s'est assis, la jeune fille s'est levée, et Lazare est sorti. Ce qui veut dire que quand le Seigneur ressuscite quelqu'un, il ne l'appelle pas à une vie cataleptique, ou à la vie au ralenti des animaux qui hibernent. Non. Quand Jésus ressuscite quelqu'un, il le fait pleinement. Et quand il sauve quelqu'un, il le fait aussi pleinement. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Alors, que faut-il penser de ceux qui affirment croire en Jésus-Christ et de la vie desquelles il ne sort rien, ni un fleuve, ni une rivière, ni une source, ni un ruisselet, pas même un suintement à rien. Que penser, sinon qu'ils n'ont pas la vie? Parce que si la vie de Jésus-Christ est en vous, cette vie portera des fruits, produira des signes et des effets. Car toute vie produit des effets. Et si c'est vrai dans le domaine physique, c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Quand un bébé vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est crier et bouger. Il est impossible que la vie soit séparée du mouvement et de signes de vie évidents. Qu'aurait-on pensé de Jésus-Christ si, ayant dit « Lazare sort », Lazare n'était pas sorti? On aurait pu blâmer le Seigneur, mais on ne le blâmera jamais. Parce que chaque fois que le Seigneur parle, chaque fois il sauve un pécheur, et ce pécheur sort de sa mort, de sa catalepsie spirituelle, et des signes de vie apparaissent. L'un des grands reproches que l'on a fait à la chrétienté, c'est qu'elle n'a pas porté les signes d'un authentique christianisme. Elle a versé le sang, elle a manié l'épée, elle a inventé les croisades et l'horrible inquisition. Une certaine section de la chrétienté n'a pas moins de 50 millions de cadavres sur la conscience. Ce christianisme-là a fait tout ce que le paganisme a fait avant lui. D'ailleurs, où est la vie de Jésus-Christ dans ce qu'on appelle pompeusement aujourd'hui plus d'un milliard de chrétiens? Où est la vie de Jésus-Christ chez tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oh bien sûr, me direz-vous, il est trop facile de voir la chrétienté en général et de tout englober d'un large coup d'œil. Mais on peut aussi essayer d'y regarder d'un peu plus près. Dans ma courte expérience, 30 ans de ministère et d'itinérance, j'ai rencontré beaucoup de ces prétendus ressuscités, de ces prétendus chrétiens qui affirment croire en Jésus-Christ, qui affirment que Jésus-Christ leur a parlé, et qui, eux, n'ont pas remué le petit doigt spirituellement parlant. Ils sont restés pareils à eux-mêmes. Je me rappellerai toujours cette femme à qui j'ai demandé un jour « Est-ce que vous êtes sauvée ?» Elle m'a dit, « Oh, vous savez, monsieur, une nuit, moi j'ai eu une vision. J'ai vu le Seigneur Jésus,
Il s'est approché de moi, il m'a regardé, il m'a parlé, et j'ai même vu ses lèvres remuer. Et ainsi cette femme tenait pour salut ce qu'elle avait aperçu dans un moment de fièvre mystique. Mais rien n'avait changé dans sa vie, et elle a continué à vivre dans le péché comme avant. Et l'on en rencontre de ces prétendus ressuscités, convertis depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire plus. Ils n'ont pas bougé, ils ont gardé le même genre de vie mondain, ils sont restés ce qu'ils étaient dans le même état. Tout simplement, ils sont un peu plus morts qu'au jour de leur prétendue conversion. Et s'ils ont bougé, c'est dans le sens de la corruption, un peu moins vivants pour Dieu que le jour où ils ont senti un frisson leur passer le long de l'échine dorsale qui n'a laissé aucune trace durable dans leur vie. Je le répète et je maintiens que là où il y a vie, il y a preuve de vie et signe de vie. En deuxième lieu, on ne peut pas ressusciter de rien du tout. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant. On ressuscite de quelque chose. De même, on n'est pas sauvé de rien du tout. On est sauvé de quelque chose. Regardez le jeune homme. Il n'est pas resté dans son cercueil. La jeune fille n'est pas restée étendue sur son lit. Et Lazare n'est pas resté dans son tombeau. Ils en sont sortis. Ce serait un aussi grand non-sens d'affirmer que l'on peut ressusciter de rien que d'affirmer que l'on peut se convertir de rien. Lazare n'a pas été ressuscité dans sa mort, il a été ressuscité de sa mort. Et quand Jésus sauve quelqu'un, il ne le sauve pas dans ses péchés, mais il le sauve de ses péchés, d'une ancienne façon de vivre, d'un ancien genre de vie à un nouveau genre de vie. C'est une nouvelle naissance, pas moins. L'Écriture dit, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie. Et il est encore écrit, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il y a beaucoup de gens qui voudraient bien être sauvés, mais sans que le Seigneur touche à leur vie. C'est un peu, cela fait sourire, c'est un peu comme si Lazare avait dit « Seigneur, je veux bien que tu me ressuscites, mais pas que tu me fasses vivre. » C'est impossible. En troisième lieu, nous venons de dire qu'ils n'ont pas été ressuscités de rien du tout, mais de quoi l'ont-ils été? La jeune fille est sortie de sa couche mortuaire. La vie qui a pénétré en elle l'a fait irrésistiblement se lever de dessus son lit. Et qu'est-ce que le lit peut représenter pour nous? Le lit, c'est un endroit moelleux, doux, facile, relaxant. C'est le lieu des rêves où l'on s'échappe facilement de la réalité, où l'on peut se bercer d'illusions. Et ainsi, pour le salut éternel, on peut se reposer sur une bonne famille, une bonne réputation, un bon milieu social ou religieux, une bonne opinion de soi. On peut se reposer sur tout cela et sur bien d'autres choses encore. Ce sont là des lits sur lesquels on s'endort du sommeil mortel de la fausse sécurité, et où souvent, de chers amis viennent encore vous border pour entretenir l'illusion fatale. Ce sont des lits de mort. Mais quand Jésus-Christ passe et parle, ça fait une belle bombe dans ce beau décor de fausse sécurité. Le Seigneur s'adresse à la petite fille et lui dit « Lève-toi ». Et il s'adresse à nous ce soir et il dit « Lève-toi, lève-toi ». Lève-toi de la bonne opinion que tu as de toi-même, c'est un suaire. Lève-toi de ta religion de fabrication humaine. Lève-toi de tes petits rites religieux, c'est un linceul. Lève-toi de tout ce sur quoi tu te reposes et qui ne peut pas te sauver. Le Seigneur vous regarde et vous dit, lève-toi,
sors de là pour être sauvé. Mais peut-être que vous aimez mieux croire que vous pouvez être sauvé sans avoir à changer quoi que ce soit à votre genre de vie. Peut-être préférez-vous croire que vous pouvez rester allongé avec les autres allongés, en attendant pour de bon le boulevard des allongés. Mes amis, serait-ce du haut de la chair dite de vérité, si on vous a promis la vie éternelle de cette façon-là, moi je ne vous la promets pas, ni moi, ni la parole de Dieu, ni Dieu lui-même. Il n'y a qu'une voie de salut, c'est celle qui nous fait sortir du milieu dans lequel on est pour saisir et entrer dans la vie de Jésus-Christ. Regardez maintenant le cas du jeune homme. Ce jeune homme s'est assis sur son cercueil. Et qu'est-ce que le cercueil peut bien représenter pour nous ? Rien ne ressemble à un cercueil comme un autre cercueil. C'est un assemblage étriqué de quelques planches ayant une forme déterminée pour un usage déterminé. Ça s'appelle du pareil au même. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Rien n'est aussi tristement traditionnel qu'un cercueil. Et traduit dans le domaine des choses spirituelles, le cercueil représente ceci. Admettre ce qui est généralement admis. Croire ce qu'il est de bon ton de croire. Ne considérer comme acceptable que ce qui est généralement accepté. Ça s'appelle faire comme tout le monde. N'avoir de conscience ou de conviction que celle fabriquée par les autres. Parce que c'est ça, un cercueil. Ce n'est pas vous qui le fabriquez. Ce sont les autres qui le fabriquent pour vous et qui vous enferment dedans. Et il y a des modes de vie comme ça. Ils vous sont préfabriqués. L'apôtre Pierre, qui n'était pas tendre pour ses pères et pour la religion de ses pères, a parlé dans son épître de la vaine manière de vivre que nous avons héritée de nos pères. C'est ça. C'est admettre des idées toutes faites d'avance. C'est avoir une religion dans laquelle on nous met de force, sans nous demander notre avis, et surtout sans nous permettre d'y réfléchir, et sans nous permettre de la remettre en question. Hors de nous, point de salut, entendons-nous dire. On est les meilleurs, point final. Voilà ce que représente le cercueil. Savez-vous ce que le jeune homme a fait de son cercueil ? Il s'est assis dessus. Eh bien, mes amis, à toutes les traditions erronées, étriquées, préfabriquées, que représente le cercueil, je vous invite à faire comme lui, asseyez-vous dessus. Vous ne le regretterez jamais, car il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui révise sa position, que pour 99 autres qui se croient justes et infaillibles. N'est-il pas écrit « Il y aura de la joie auprès des anges » dit la parole de Dieu, comme il y a eu de la joie dans le cœur de cette maman quand elle a vu son fils s'asseoir sur son cercueil. Elle n'a pas été choquée, elle, quand elle a vu son fils bousculer le protocole d'une façon aussi peu conventionnelle. Elle ne lui a pas dit « Mais enfin, mon fils, a-t-on jamais vu ?» Ton père, moi, dans la famille, on n'a jamais interrompu une cérémonie comme ça. Non mais alors, t'asseoir sur le protocole, t'aurais pu attendre d'être arrivé au cimetière. Fi le vilain garçon, allez, oust, remonte et rallonge-toi dans ta bière. Si donc la conversion, en changeant votre vie, choque quelqu'un, ce ne sera en tout cas pas moi. Ni mes frères qui sont ici avec moi, ni le Seigneur qui est dans son ciel. Le seul à trouver l'aventure saumâtre, ce sera le diable et ses agents qui sont à son service. Eux n'y trouveront pas leur compte pour sûr, et ils vous le feront bien voir. Non, le fils de la veuve de Naïn n'est pas resté dans son cercueil, il en est sorti. Premier signe de vie. Voyons maintenant le troisième cas, Lazare.
Lazare, lui, est sorti de son sépulcre.